Il est aveugle et c'est pourtant un passionné de nouvelles technologies. Ordinateur portable, téléphone high-tech, Guillaume Mbra est enseignant. Et son handicap, il s'en sert au quotidien pour mieux communiquer avec son entourage. Les TIC ont révolutionné beaucoup ma vie, mon quotidien professionnel. Je suis en service à l'INFES, inspecteur d'éducation et formateur. Un exemple, j'encadre les mémoires de mes étudiants à partir de l'ordinateur. Son aisance avec les outils technologiques, Guillaume Mbra le doit à une application numérique, synthèse vocale. Une restitution audio de toutes les fonctions d'un appareil. On a tous. Ce type de logiciel spécifique existe pour toute forme de handicap. Son accessibilité reste cependant limitée en Côte d'Ivoire en raison du coût élevé et de l'approvisionnement du marché. Ce déficit, l'association e-handicap veut le pallier par l'organisation d'un forum d'échange entre concepteurs de technologies innovantes et personnes handicapées. Nous constatons que même dans l'administration, dans le milieu universitaire, partout, même dans l'agriculture, il y a des personnes handicapées, malheureusement, qui sont laissées pour compte. Avec les TIC, aujourd'hui, ces personnes-là peuvent travailler, quel que soit leur type d'handicap. Tirer le meilleur parti des innovations technologiques au profit des handicapés. Voilà l'objectif du forum e-handicap. Ce sera une révolution pour les 3 millions de handicapés de la Côte d'Ivoire, vu que le pays ambitionne être une plateforme numérique.